Salut la team. 400 mètres au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors là, je viens de charger à côté de Paris là. Et je m'en vais vider en Normandie là au Val-de-Reuil. Donc là sur cette petite vidéo, vous allez voir un petit peu la francilienne, direction Cergy-Pontoise, la nationale 14 et ensuite les petites routes pour rejoindre Louviers. Au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie. Et là, il fait pas très très beau, il pleut même. Regardez un petit peu le temps de merde qu'il fait, c'est le cas de le dire. Après 100 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Prenez l'autoroute. Allez, direction. Au rond-point, tournez à droite. Première sortie. Puis, prenez l'autoroute. Bah ici, il faut faire attention parce que les gens ne mettent pas le clignotant. Sur ce rond-point, c'est terrible. Ah, puis là, c'est de la pluie fine, alors ça fait que les essuie-glaces y couinent. C'est un peu pénible, franchement. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tenez la gauche. Oui, je vous présente la petite Sophie. Vas-y toi, vas-y, coupe-moi la route, hein, surtout. Hein. Depuis, il venait me taper dans mon pare-choc. Prenez la sortie. Pas de clignotant, puis, rien, vas-y que gauche. Je te serre la gueule. Après 300 mètres, tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Là, les routes sont bien grasses, hein, faut faire attention hein, parce que là, c'est un coup. Hein. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Est-ce qu'il y a une voiture qui roule un peu vite, qui vient de vous rentrer dedans? Bon, j'espère que vous allez bien, la team. Hein. Nouvelle vidéo là que je vous fais avec une nouvelle caméra vous plaît bien. Là vous êtes en format 4K. Hein.
la Francilienne. Sous la grisaille et la flotte. J'arrive à Cergy-Pontoise, là je suis sur la nationale 184. Je vais bien trop reprendre la direction de Rouen là par la A15 et ensuite rejoindre la nationale 14. Ralentissement à 2000 mètres. Après 800 mètres, prenez la sortie. Voilà, j'ai entendu Sophie. Ma Sophie. Sortir là parce qu'il s'en va sur le Havre, lui, le container là. En plus, il est plombé donc il est chargé. J'ai ce container marron qui est devant moi là. Allez, nous on prend la 15 et après on va être sur la nationale 14. C'est la 14 ou la 15? Oh, non, je crois que c'est la nationale 14. Là on est sur la 15. Cergy. Parce qu'il y en a toujours là qui déboîtent là quand il y a des bouchons comme ça. Puis là c'est bien gras, hein, la route est grasse, alors on n'a pas trop envie de faire un constat. Tenez la gauche. Sur la gauche là qu'on vient de voir là sur l'autoroute A15 là, il y avait des caméras partout. Ça
des trucs test. C'est en 4K maintenant. Enfin maintenant.
le département de l'Eure. Et de toute façon, là, je vais à Val-de-Reuil. Donc, Val-de-Reuil, c'est dans l'Eure. Hein. C'est à côté de Louviers. Ça touche à Louviers. L'automne. Hein. Là, les arbres, c'est des squelettes. Si vous suivez des fois le meilleur boulanger de France là, avec Norbert et Norbert Tarrar et Bruno, je sais plus comment il s'appelle là. Et vous allez voir que on va passer sur la gauche, ils sont venus à la boulangerie là ici l'année dernière, enfin cette année on les a vus à la télé. Alors, si on arrive à voir, vous allez voir, je vais vous faire voir où c'est qu'ils étaient, où c'est qu'était là la boulangerie. On va passer devant. En fait, c'est une ancienne station essence. Et ils ont fait une boulangerie à l'intérieur. Ça va se trouver sur la gauche. Mais bon, vu que la caméra elle est fixe, on va peut-être pas voir.
regardez bien sur la gauche, la team, la boulangerie que vous avez vu sur M6. C'est la boulangerie Bosquet. Regardez, elle est sur la gauche à côté de Coccinelle. Et là, ils sont venus pour la meilleure boulangerie de France ici. Après Norbert. 200 mètres au rond-point, tournez à droite. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, hein, cet épisode-là, ceux qui suivent ça. Ah, c'est bouché, c'est bouché. À cette heure là pourtant il n'est pas tard, il est 11h. On va voir les décorations de Noël. Regardez Vernon Saint-Hilaire. Là, on va passer au-dessus de la Seine. Au-dessus de la Seine. Regardez comment c'est joli par ici. Troisième sortie. En fait, c'est le centre-ville qui bouche. Centre-ville que ça bouche. On se retrouve face à la Seine. Ah, c'est pas large par là.
C'est bouché aujourd'hui à Vernon. On va laisser passer les pompiers. Hein. Ça a l'air d'être bien décoré là pour les trucs de Noël. Ça doit être beau la nuit. Fondue, raclette, pirade. Vous avez vu un peu le... Comment ils ont aménagé ça pour la... restaurant là. Ça, c'est ça que j'ai jamais compris, moi. Là, il est 11h15. Quand vous voyez le nombre de voitures, les bouchons qu'il y a à cette heure-ci, les gens qui ne travaillent pas, en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, bah, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant de véhicules que ça à cette heure-là. Quoi. Après 200 mètres, tournez à gauche. Soit qu'il y a beaucoup de chômeurs ou alors il y a beaucoup de retraités. Ou les deux, mon neveu. Duster de la police municipale, la vitre arrière est cassée. Ils sont partis chez changer pare-brise. La vitre arrière. Tournez à gauche, traversez le rond-point. Non, non, je vais pas passer à gauche. Moi, je continue tout droit. À Saint-Marcel, c'est la fête à Marcel tous les jours ici. Charger, livrer par ici, là, sur la gauche, là, toutes les entreprises que vous voyez, là, il y a quelques années de ça. Je vous en ai déjà parlé, là, sur des vidéos précédentes. Saint-Just. Ou Saint-Just, je ne sais pas s'ils disent comme ça. En tous les cas, il y a après tous les concessionnaires par ici. Mètres, Hyundai, Toyota, Opel, Renault, Dacia. Regardez, il y a même
Dacia Guedes ici. Renault Guedes, Renault Dacia. Traversez le rond-point, deuxième sortie. À Eudebouville. Ah, la boulangerie là sur la droite là au feu rouge là que vous voyez là, elle est toujours blindée hein. Regardez, il y a la queue dehors. Alors à cette heure là autant vous dire que c'est pas évident là, ceux qui viennent de chercher leur sandwich là au moment de midi. Pourtant il n'est pas midi, hein, il est 11h40. Et moi là je vais aller à l'éco-parc faire ma coupure parce que de toute façon il me reste. Je suis à 4h10 de volant. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Et vu qu'il est midi moins le quart, ils ne me videront pas à cette heure-là, ils reprennent qu'à 13h30, je crois. Donc je vais faire mes 45 minutes de coupure et puis y aller tranquillement après. Ça va être aussi bien comme ça. Traverser le rond-point, deuxième sortie. Oui, je sais que tu veux me faire prendre la deuxième sortie, mais moi je vais... à gauche là, direction Ecoparc. Je vais même aller m'acheter un sandwich comme ça. Ça va être nickel. Après 800 mètres, faites le tour du rond-point, quatrième sortie. Oui, je sais que tu veux me faire repasser dans l'autre sens, mais on ira tout à l'heure, ma petite Sophie. Pour l'instant, c'est moi qui décide. Même je crois que 13h, ouais, je pense qu'ils reprennent à 13h. Bon, je verrai bien de toute façon. J'ai pas le choix. D'après ce que j'ai compris, je devrais recharger que demain matin, là où je vais vider. Donc il y a de grandes faites chances. Faites le tour du rond-point, quatrième sortie. Que je revienne ici manger ce soir. On mange pas trop mal ici. Que je vais venir ici.
tenez la droite. On va essayer de se mettre au maximum vers le restaurant. À la fin de la route, tournez à droite. Garer là parce que le mec il a décroché son frigo pour pouvoir dormir, donc je vais peut-être pas me mettre à la fin de la route. Tournez à droite, je vais pas aller l'embêter s'il dort. Le gars il a roulé peut-être toute la nuit, donc on va se mettre là et on repartira tout à l'heure. Voilà. Bon, bah voilà la team, on va faire 45 minutes de coupure, ça me fait reprendre à 12h30, c'est très bien comme ça. Regardez un peu le beau temps de la Normandie. Ah, c'est pas terrible. Hein. Voilà, je suis à 6 km de chez mon client. Traverser le rond-point. Je sais pas s'il y a des travaux encore là, parce qu'il y avait des travaux l'autre fois. Après 100 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué là ?
les travaux, c'est bien ce qui me semblait. Il y a toujours les travaux. Dans l'autre sens, on est obligé de partir dans... suivre la déviation tout simplement. Allez, c'est en train de refaire toute l'avenue là. Vous avez vu un peu? Je vais monter directement au restaurant routier de Bouville.
fait plein de magasins par là. Avant, il n'y avait pas de magasins ici. Ils ont même fait une banque populaire. Ils ont fait pas mal de choses par là. Donc voilà la team, hein, la petite vidéo va se terminer là. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas, hein, liker, partager. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.